Yo! Ça va, j'ai réussi l'intro. Donc aujourd'hui on se trouve pour jouer à un jeu qui s'appelle Plus ou Moins. Je sais que je suis pas le premier youtubeur à faire une vidéo sur ce jeu. Mais bon, j'avais quand même envie d'en faire une parce que c'est marrant. Enfin bref, du coup c'est parti, on va direct cliquer sur jouer, let's go. Donc oui, pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai oublié. Du coup en fait c'est tout simple. Donc là par exemple on a la Saint-Valentin et à côté la forêt amazonienne. Et en fait faut deviner si la Saint-Valentin ça a été cherché plus de fois que la forêt amazonienne ou l'inverse. Oui je sais, j'ai mal articulé amazonienne. Sur quoi on va cliquer maintenant? Sur moi, allez on va cliquer sur moi. Yes! C'est une victoire! Bon, c'est pas terminé le jeu, vous inquiétez pas. Du coup, entre forêt amazonienne et Free Ninja, bah Free Ninja, bien sûr, il le remporte plus. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà. T'es sérieux, 1 830 000. Ok, donc entre Free Ninja et Android, Android, c'est un peu plus connu quand même que Free Ninja, ouais. Ouais, du coup, bah on va faire plus. J'ai peur. Wow! Excellent, on a réussi. Ok. Attends, Android et Selena Gomez. C'est compliqué hein, parce que Android c'est déjà 2 millions et Selena Gomez elle est assez connue du coup. Oui, je. Allez! Oh, c'est le dab! Entre Selena Gomez et Chris Brown, franchement, je sais pas. Vas-y, on va dire moins. J'ai peur. J'ai peur. Wow! Purée! Entre Chris Brown et Kobe Bryant, ouais. En fait, je sais pas qui c'est. Bah, logiquement, c'est un joueur de basket parce qu'il a un maillot de basket et il a une tête de basketteur. Là, franchement, je pense que c'est moi parce que c'est moi. On va voir. J'ai peur. Oh purée, quand même 1 500 000, mais comment ça se fait que je connais pas? Oh, Chocolatine. Là, on va de nouveau tomber sur un gros débat. Est-ce que vous dites Chocolatine ou pain au chocolat? Dites-moi dans les commentaires de la vidéo, j'ai envie de savoir. Ouais, voilà, on a eu juste super. Purée, c'est un truc de ouf, hein. C'est la première fois que je fais un score aussi bien. C'est cool, en plus c'est en vidéo et tout. Au calme. Ok, pardon. Chocolatine et puce. Ok, je vais dire moins. Et c'est un échec. Wouh. Ok, c'est pas grave, on a quand même fait 7, hein. C'est la première fois que je fais un score aussi stylé, comme j'ai déjà dit avant, hein, je me répète tout le temps, désolé. Du coup, on va quand même faire une petite deuxième partie, parce que ça fait que 6 minutes que je filme, et bah, sinon vous allez vous retrouver avec une vidéo de 3 minutes. Ok, du coup, bah c'est reparti, on a pu nouveau surjouer. Maintenant, entre Espion et Zelda, bah, bien sûr, Zelda, c'est largement plus, bien sûr. Et voilà, voilà. Ok, le prochain, c'est Zelda et Festival de Cannes. 2000 years later. Non, moins. Non, ouais. On va appuyer sur moins. Yes! Entre Festival de Cannes et Corrida. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas du tout. Attends, on va voir vite fait. Le Corrida. Ah, ok, c'est une espèce de taureau en fait. Ok, bah moins. En fait, c'était plus. Et maintenant, c'est entre Ratata et Nounou. T'es sérieux? Ok, bah moins. Ouais, bien joué. Ok, Nounou et Jennifer. Bien sûr, ça c'est plus. C'est quoi? C'est une actrice, je crois, je sais plus. Ok, entre Jennifer Aniston et Neymar. Purée, je connais pas ce joueur de foot. Purée, je sais pas du tout. On va faire moins. Oh, purée. Ok. Vous avez vu, maintenant je fais que des scores de merde, c'est abusé. Alors, Arche de Noé et Petra. C'était plus. Voilà. Purée, la première partie c'était vraiment un gros coup de chance. Ok, c'est pas. On rejoue. Entre athlétisme et Red Bull. Ben, bien sûr, Red Bull c'est largement plus. Ouais, voilà, bien joué, enfin. Entre Red Bull et Rillette, moins. Yes. Entre Rillette et Michael Bay. Vu sa tête, ça doit être un mec qui travaille genre. Qui est haut placé quoi, président peut-être, non je sais pas. Ok, pas du tout, en fait c'est un acteur, pardon. Et bien sûr plus hein, le logique c'est un acteur, voilà. Yes, good game. Entre Michel Bay et France, on va dire plus, on espère, et voilà, bien joué. Oh là, elle fait quoi elle? Elle fait un salut nazi? Mais pas du tout, en vrai je croyais genre parce qu'elle était comme ça, mais elle est comme ça, je suis con.
Ok, entre France et Whitney Houston. Perso, je pense que c'est moi, parce que je sais pas, je fais un peu au hasard là, parce que je connais pas trop en fait. Wow! Oh purée! C'était vraiment chaud, genre 1 500 000 et 1 220 000. Ok, Whitney Houston, Houston et Thibaut InShape. Bon du coup, ben, Thibaut, je suis désolé, mais moins. Entre Thibaut InShape et Vacances. Plus, ouais. Wow, purée. Attends, ça se joue entre Vacances et Obésité. Perso, moi, je dis que Obésité, c'est moins recherché sur Google. Moins bien joué. Obésité et American History X. Ça doit être un film. Je sais pas. Je connais pas. Vas-y, on va dire plus parce que Obésité, c'est vraiment beaucoup, ça. Ok, 246 000. Stylé. Donc, American History X et Vol pas cher. Oh purée, je viens de voir, on a un score de 9. C'est encore mieux qu'avant. Stylé, je suis fier de moi. Vas-y, là je suis vraiment bloqué, je sais pas du tout. On va dire moi. Allez, c'est parti. Bon, ça va, je suis fier de moi quand même. Un score de 9, c'est mon meilleur score en fait, pour l'instant. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a tellement d'autres youtubeurs qui ont déjà joué à ce jeu. Mais bon, je voulais quand même le faire parce que je l'ai jamais fait. Et voilà, moi je me suis bien amusé pendant cette vidéo, c'était le plus important. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'un petit peu, ça me fera extrêmement plaisir comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, salut.